Voici une équation différentielle dont nous cherchons la solution, c'est-à-dire nous cherchons la fonction y, fonction de x, qui vérifie cette équation différentielle. Nous voyons clairement qu'on peut mettre tout ce qui est en y d'un côté du signe d'égalité et tout ce qui est en x de l'autre côté du signe d'égalité. On dit que cette équation différentielle est à variable séparable. Maintenant, il suffit de primitiver des deux côtés. Les deux primitives sont bien sûr égales à une constante additive près. Primitive de 1 sur 1 plus y carré dy, ça c'est bien sûr l'arctangente de y. Et primitive de 1 sur x dx, ça c'est bien sûr le logarithme népérien de la valeur absolue de x, comme ceci. Si nous prenons encore tangente des deux côtés, alors à gauche nous avons la tangente de l'arctangente de y, c'est-à-dire y. Et ainsi nous obtenons la solution y comme fonction de x. Le y de x est la tangente du logarithme népérien de la valeur absolue de x plus c. Nous avons donc bien résolu cette équation différentielle.